Mes chers amis, chers lecteurs, bonsoir, j'espère que vous m'entendez bien. Les réactions que j'ai reçues ces dernières semaines, après les deux ou trois précédentes vidéos que j'ai faites en fin de semaine pour parler hein, du programme de l'Antipresse et de ce que nous faisons et de nos observations sur la marche des choses, m'ont convaincu que ce rendez-vous du vendredi soir, quelquefois le samedi, ça dépend de l'emploi du temps, mais j'espère que ce sera plutôt régulièrement le vendredi, que ce rendez-vous donc est plutôt utile pour faire un point sur les choses et pour attirer l'attention sur des sujets, des phénomènes qui me paraissent essentiels et que nous essayons de semaine en semaine de capter et de traiter dans notre magazine. Cette semaine, nous avons de nouveau une pléthore de révélations à analyser, parce que le dégel, pardon, le déconfinement, voilà, le déconfinement que nous vivons maintenant et qui est en train de prendre de l'ampleur un peu partout. C'est un petit peu comme le dégel au printemps, le dégel des glaces ou du permafrost en Sibérie. Vous savez, quand le permafrost dégèle, eh bien, il paraît qu'il dégage des nuages de gaz, des nuages de gaz toxiques et qui sentent mauvais. Du méthane, semble-t-il. Eh bien, on est en train de vivre un peu de ça parce que nous avons été pendant 2 mois. Pour la plupart d'entre nous, sous une forme de confinement. Nous avons été bombardés pendant ce confinement d'informations assez intimidantes. Nous avons été limités dans nos mouvements. Nous avons été un peu lavés du cerveau si nous avions l'habitude de regarder la télévision et la radio, parce que manifestement, il y avait pratiquement sinon une consigne, du moins une tendance des grands médias à accentuer la peur. D'ailleurs, on va voir bientôt que c'était presque une mission pour eux que de tirer toujours du côté de la plus grande frayeur possible, un peu comme dans un train fantôme. Dans un train fantôme, on vous met dans un tunnel bien sombre, avec des bruits et des lumières sur le côté, et puis vous soudain vous Il y a une mèche de cheveux qui vous frôle, et à cause de la mise en condition que vous venez de subir, ben vous avez un réflexe de peur. Eh bien, le traitement que nous avons subi sur le plan médiatique et politique ressemble beaucoup à ça. Et on a l'impression que certaines instances aimeraient que cette pression psychologique se poursuive pour nous imposer des solutions dont manifestement une grande partie de la population ne veut pas. Je pense notamment à la vaccination générale, je pense au suivi de tout le monde avec des applications, avec de la technologie, avec des obligations qu'on veut nous imposer. Je me trouve en Suisse, une grande partie de nos lecteurs se trouve également en Suisse. Je vais déplacer un petit peu la caméra parce que nous avons le soleil couchant qui est en train de nous éclairer. En Suisse, nous apprenons ces jours-ci que eh bien le gouvernement veut pardon notre gouvernement veut débloquer 300 millions de francs suisses pour vacciner la population. Est-ce qu'on peut nous obliger à nous vacciner? Ensuite, le gouvernement a mis en place une application, cette application que notre auteur Sébastien Fanti a vertement critiquée dans les 2 derniers numéros de l'Antipresse. Et Sébastien Fanti, c'est pas n'importe qui, il est avocat, il est spécialiste de la protection des données, il est préposé de la protection des données du canton du Valais. Et au sujet de l'application qui était proposée par le gouvernement fédéral suisse, il a des objections extrêmement sérieuses, qu'elles soient d'ordre technique ou d'ordre juridique.
C'est uniquement en entretenant aussi loin que possible, aussi longtemps que possible, et malgré le dégel, malgré la baisse de tension, c'est ce climat de peur, ce climat d'urgence, qu'on pourra nous faire avaler des vessies pour des lanternes et par exemple suspendre la protection de notre sphère privée au nom d'un impératif supérieur qui est la lutte contre la pandémie. Pandémie qui, on l'a vu cette semaine, est en train de se dissiper si rapidement que certains chercheurs avouent qu'ils n'arrivent même plus à continuer le développement des vaccins, tellement le coronavirus est en train de se dissiper de lui-même. Ce qui est frappant cette semaine, pour en venir au cœur du sujet, c'est que nous avons tous vécu cette espèce de règlement de compte international à l'échelle de la planète contre le docteur Raoult et sa médication un peu ringarde, un peu à l'ancienne, avec de la quinine et de l'antibiotique. Qui fait vraiment tache dans un paysage que l'on aimerait voir aussi aseptisé, technologique, coûteux et scientifique que possible. Et malheureusement, la seule chose qu'on a réussi à trouver jusqu'ici pour vraiment lutter efficacement contre cette maladie, c'était la chloroquine, un vieux remède. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, la prestigieuse revue de Lancet a publié une étude internationale, avec des dizaines de milliers, une centaine de milliers de cas étudiés, non pas sur place, évidemment les auteurs ne pouvaient pas le faire, mais à partir de données statistiques, de données recueillies par le big data, pour essayer de démontrer que la chloroquine non seulement n'était pas utile, mais pouvait être funeste. Et puis de quoi on s'est rendu compte ces tout derniers jours, après la vague de dénonciations contre Raoult, contre sa méthode? Après que le gouvernement français, avec une précipitation qu'on lui avait rarement vue, s'est dépêché de faire interdire la prescription de chloroquine, eh bien, tout d'un coup, on apprend que des chiffres, par exemple en Australie, sont imaginaires, que le recueil de toutes ces données a été fait un peu n'importe comment. On découvre que les auteurs, évidemment, ont des conflits d'intérêts gros comme le bras. On découvre que où sont ces morts Australiens qui sont revendiqués, bref, que une grande revue prestigieuse s'est prêtée à une opération qui est une opération de règlement de compte, financée d'ailleurs, soutenue par les entreprises de la Big Pharma, contre un grain de sable dans les rouages. On se rend compte, c'est pas notre, c'est, nous ne sommes pas, nous, une anti-revue scientifique. Nous, on étudie le fonctionnement de l'information, des médias, de la formation des idées communes, de l'idéologie du moment. Qu'est-ce qu'on a vu? Dès que cette étude est parue, tous les médias de grand chemin ont relayé la nouvelle que The Lancet, n'est-ce pas, c'en est fini de Raoult, fais tes bagages, tu ne pourras plus esbrouffer personne. Maintenant, les gens sérieux reprennent la main avec leur vaccin, etc. Et puis, très rapidement, ben, il a suffi que des gens sérieux et dénués de conflits d'intérêts lisent cette étude pour se rendre compte qu'il y a de gros problèmes. Ces gros problèmes, les médias auraient pu, on ne leur demande pas de décortiquer ligne par ligne une étude statistique, mais ils auraient pu par exemple ouvrir cette étude pour voir qui la soutenait et se dire que peut-être lorsque c'est soutenu par Big Pharma, on devrait être un peu prudent. Ils auraient pu par exemple se demander pourquoi maintenant. Ils auraient pu se demander si, éthiquement parlant, il vaut mieux croire des gens qui analysent des données ou des gens qui voient des patients. Est-ce que 4 000 patients ne pèsent rien par rapport à 100 000 dossiers de patients étudiés quelque part dans un bureau? Et puis surtout, ils auraient pu faire preuve tout simplement de réserve et d'esprit sceptique, d'esprit scientifique. Sceptique et tout simplement critique. Est-ce qu'on a vu de l'esprit critique dans ces médias? Pas tellement. Ça nous conduit à nous demander, mais à quoi ils servent? À quoi nous sert cette information? Si des gens sont payés, je ne parle même pas de ceux qui sont payés
par des actionnaires qui sont également actionnaires dans la pharmacie. Ça, c'est un petit peu, c'est un peu grossier. Mais si ces gens-là sont payés par nos impôts, comme par exemple le service public en Suisse, est-ce qu'ils ne devraient pas également, au vu de leur dans leur cahier des charges, avoir la protection du consommateur, la protection du citoyen? Est-ce qu'ils ne devraient pas représenter aussi la partie qui n'a pas accès aux tribunes, qui ne peut pas faire pression, la partie qui éventuellement peut exprimer des réserves? Est-ce que dans le débat actuel en Suisse sur cette très très discutable application proposée par le gouvernement, qui en plus a débloqué quelque chose comme 1,9 million de frais de propagande au profit de cette application, est-ce que on ne pourrait pas inviter aussi sur les plateaux des gens, y compris des scientifiques, qui mettent en évidence, ou des juristes, qui mettent en évidence les lacunes évidentes de cette, les lacunes criantes de cette application, et puis aussi qui, sur un plan déontologique, sur un plan éthique, pourraient poser la question, on devrait tous se poser la question, regarder ce qu'il reste de la peste bubonique qu'on nous a annoncée il y a 2 mois. On est d'accord, il y a un principe de précaution, ça aurait pu tourner comme ça, mais ça n'a pas tourné ainsi. Est-ce que ce qu'il en reste, est-ce que cette pandémie qui peine toujours aujourd'hui à s'inscrire dans les chiffres de la mortalité générale, est-ce qu'elle mérite qu'on nous mette à tous des laisses, littéralement des bracelets électroniques comme on les met aux détenus en résidence surveillée? Parce que si vous n'avez pas l'application, bientôt, si vous n'avez pas l'application sur votre smartphone, parce que vous n'avez pas de smartphone, ben on envisage de vous mettre un bracelet. Est-ce que, de nouveau, je me pose la question de semaine en semaine, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est justifié? Et cette question, je me la pose encore plus, et je ne suis pas le seul à me la poser depuis que j'ai vu dans les nouvelles de la télévision hier soir, le monsieur coronavirus suisse qui, de semaine en semaine, avec ses airs primesautier et joyeux, je veux parler de l'inénarrable Daniel Koch, eh bien, monsieur coronavirus est en train de prendre sa retraite, on l'interviewe, qu'est-ce que le bilan vous faites? Évidemment, il exprime son admiration pour le travail du gouvernement, cela va de soi, mais enfin, il dit quand même que tous ses conseils n'ont pas été suivis, et puis on comprend que ses conseils, peut-être, les conseils de ce médecin étaient peut-être de lever un peu la pédale sur la politique de l'intimidation et de la terreur. Et puis à un moment donné, nous avons passé la séquence dans les turbulences, dans les brèves de l'Antipresse, il faut absolument la voir. À un moment donné, le présentateur, Philippe Reval, lui dit: « Mais enfin, si ça n'avait tenu qu'à vous, vous n'auriez pas fait fermer les écoles, on est bien d'accord. » Et qu'est-ce qu'il dit, Monsieur Koch? C'est formidable. Il dit: Oh, sur le plan épidémiologique, ce n'était pas une nécessité. Je répète, sur le plan épidémiologique, ce n'était pas une nécessité de fermer les écoles. En revanche, sur le plan de faire comprendre la situation, c'était bien qu'on l'ait fait. Donc, je répète, le responsable coronavirus suisse vous dit, il n'y avait pas de nécessité épidémiologique à faire rester les enfants à la maison, à créer des conflits familiaux à cause de ça, à obliger les parents à se mobiliser. Il n'y avait pas de nécessité à semer la peur dans les ménages. Il n'y avait pas de nécessité de perturber complètement la vie des gens et de faire perdre des mois d'enseignement à ses enfants en mettant en place des programmes d'enseignement à distance dont l'efficacité n'est en tout cas pas avérée encore et qui ont considérablement perturbé le travail aussi bien des professeurs que des enfants. Il n'y avait pas de nécessité épidémiologique, il y avait une nécessité pédagogique. C'était pour vous faire comprendre. Autrement dit, c'était pour vous faire peur. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité très lourde à faire passer pour des considérations de santé publique, des considérations purement politiques? Est-ce que quelqu'un dans nos parlements, en Suisse ou ailleurs, parce que certainement que le dégel du permafrost va faire sortir d'autres gaz tout aussi puants. Est-ce que quelqu'un dans ces parlements ne pourra pas poser la question aux autorités? Dis donc, si la fermeture des écoles, c'était uniquement une mesure pédagogique, une mesure de manipulation des esprits, est-ce que tout simplement le confinement n'était pas lui aussi une mesure de manipulation? On ne sait plus rien. Regardez,
le confinement britannique ou français, il a été conditionné, imposé pour ainsi dire, par l'étude du docteur Neil Ferguson de l'Imperial College. Il s'est avéré que cette étude n'avait aucune valeur scientifique, que c'était un mauvais programme d'ordinateur. Il s'avère en plus que Ferguson a dû démissionner parce que lui-même ne respectait pas le confinement qu'il avait imposé à ses concitoyens. Il ne reste plus rien de cette étude qui nous annonçait 500 000 morts en Grande-Bretagne. Et, enfin, je veux dire, un plafond à 500 000 morts. Il n'en reste rien. En Suisse, on découvre que, à la fermeture des écoles, il n'y avait pas de raison épidémiologique. En France, on découvre que si le gouvernement s'est dépêché, enfin, on ne découvre pas, on comprend que si le gouvernement s'est dépêché de faire interdire la prescription du seul médicament qui semble avoir de l'effet sur ce virus, c'est manifestement qu'il y a une très très forte pression des milieux proches du Big Pharma. Et que la France va maintenant se retrouver, gros gens comme devant, va se retrouver seule dans le monde à interdire la prescription de l'hydroxychloroquine. Alors que, regardez ce que disait le grand médecin algérien à la télévision, en disant « mais non, écoutez », ou bien dans bien d'autres pays, on dit « mais non, écoutez, ça marche bien ». Il faut simplement administrer ce médicament très tôt parce que c'est dans les phases précoces que ça marche. Évidemment, si vous analysez les gens à qui on a donné trop tard l'hydroxychloroquine, ça ne marchera pas, donc vous allez bien prouver que ça les tue, pour ainsi dire. Vous avez en Grande-Bretagne le docteur John Lee, que nous avons publié dans l'Antipresse il y a un mois, qui revient en disant « la comptabilisation des chiffres du coronavirus a été un scandale ». Statistique, politique, médicale, parce qu'elle a été faite n'importe comment. Et vous avez la revue de référence de Lancet qui vous dit, enfin qui vous dit pas, qui se fait démolir aujourd'hui par des pétitions, des lettres collectives de scientifiques qui demandent « mais comment avez-vous obtenu ces résultats ? D'où tenez-vous ces chiffres ?» Eh bien, qu'est-ce qu'on peut croire ? Qu'est-ce qui nous reste comme référence ? Eh bien, il faut essayer de comprendre. On est obligé d'essayer de comprendre cette épidémie en élargissant l'horizon, en regardant un petit peu ce qu'il y a autour. C'est son environnement stratégique. Pourquoi les pays? Pourquoi les gouvernements? Quels sont les mobiles politiques des gouvernements qui les conduisent à mettre sous clé leur population? Est-ce qu'il n'y a pas ce que Eric Werner, dans l'Antipresse de dimanche, appelle la volonté d'imposer une nouvelle normalité, c'est-à-dire de nouvelles normes de comportement, une restriction de nos libertés et de nos droits, un peu comme ce qu'ont fait les États-Unis en profitant du choc du 11 septembre. Est-ce que il n'y a pas une espèce de surenchère technologique en cours qui conduirait nos démocraties, nos pays, à essayer de faire aussi bien que les Chinois dans le contrôle des populations et puis qui prendrait prétexte de cette épidémie? Tout ça, c'est des questions que les médias devraient se poser au lieu d'accuser de complotisme tous ceux qui essaient de voir pourquoi 2 et 2 font 4, qui essaient de donner une raison de mettre des liens entre des événements qu'on voudrait présenter comme de la fatalité ou de choses complètement disparates ou hasardeuses. Je vous signale, je pense que certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous en fait, ont vu cet entretien que j'ai eu avec Thierry Casasnovas sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Régénérer, pendant une heure et demie mardi dernier, où on a parlé justement de l'aspect que personne ne traite, qui est l'aspect virage technologique, le coup d'état technologique auquel nous assistons avec la mise en place de ces systèmes, que ce soit de type vaccination, de type médical, enfin pharmaceutique, ou de type électronique, de système de traçage. Il faut avoir les yeux là-dessus parce que ça nous permet un tout petit peu de nous débarrasser de cette peur. Et surtout, ça nous permet de répondre à ceux qui répandent la peur, y compris dans notre entourage. Attendez, c'est pas là que ça se situe. Là où ça se situe, c'est qu'il y a une pression énorme. Je ne dis pas la pression de certains individus. Je pense qu'il ne faut pas personnaliser ça. Bon. On parle de Bill Gates, il est le phénomène le plus évident. Mais il faut essayer de comprendre comment se développe cette société ultra-technologisée, avec ces technologies dont nous dépendons tous, moi y compris,
pour vous parler maintenant. Il faut comprendre le tableau général. Il faut dépasser les querelles de personnes ou de clans comme on y assiste en France. Il faut dépasser la stratégie de la peur et essayer de comprendre cela comme une étape, à mon avis, foireuse, de la transformation de nos sociétés, d'un modèle qui était un modèle qu'on peut dire démocratique, parce que nous avons quand même, nous, nos parents, nos grands-parents, nous avons joui d'une très grande liberté de mouvement, d'expression, d'entreprise, vers un modèle qui est peut-être plus adapté à la civilisation technologique, qui est un modèle peut-être calqué sur, qu'on voudrait calquer sur la termitière chinoise. Donc, il nous faut réfléchir. Il nous faut traiter toutes ces données disparates, il nous faut essayer de trouver des fils conducteurs. Nous n'avons pas besoin de céder ni à l'intimidation de ceux qui voudraient voir des complotistes partout, ni céder à la tentation de voir des complots, parce que derrière ces complots, c'est-à-dire des personnes, il y a des forces gravitationnelles qui vont vers cela. Et puis, rester nous-mêmes, garder notre esprit critique, garder notre bonne humeur, savourer ce printemps exceptionnel que nous avons, plus propre, plus silencieux, plus calme que tous ceux que nous avons vécu jusqu'ici, et puis nous dire, gardons le meilleur de ce que nous a appris cette expérience, ne nous laissons pas faire, ne prenons pas pour argent comptant tout ce qui nous est dit, parce que c'est dit par une autorité officielle, que ce soit le gouvernement, la revue de Lancet, qui maintenant est foutu, ou que ce soit les médias qui ne servent que de chambre d'écho aux décisions politiques. On n'a pas besoin de céder à ça. La conscience des individus dont nous avons hérité par notre culture, notre éducation, par notre tradition de la pensée libre, critique et sceptique, eh bien, c'est notre arme. Et il ne faut pas la rendre maintenant. C'est nous qui déterminons les élites gouvernantes, les États. C'est nous qui votons pour elles. C'est nous qui les finançons par notre travail. Ce n'est pas elles qui nous concèdent le droit encore de respirer à travers des masques. Je pense que malgré toutes ces annonces de récidive, d'affreux retour de la pandémie à l'automne, je pense que tout cela va faire long feu. Je pense que ça fera d'autant plus vite long feu que nous leur ferons comprendre à tous ces gens qui en profitent que ça ne marche pas, que nous n'y croyons pas, que l'humanité a connu bien d'autres épidémies, bien d'autres fléaux. La preuve, c'est que nous sommes, paraît-il, trop nombreux sur Terre. Donc nous sommes quand même une espèce beaucoup plus résistante et beaucoup plus adaptée à la vie sur cette planète que les technologues ne veulent nous le faire croire. Donc, passez un bon week-end, lisez l'Antipresse. Ceux d'entre vous qui lisent l'Antipresse, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Nous sommes, peut-être par la force des choses, peut-être un petit peu, malgré nous, devenus l'une des voix qui, de manière systématique, depuis 2 mois maintenant, et même plus, donne une autre information, donne une approche ouverte, libre et de sang-froid de toutes ces questions. Et je pense que maintenant, c'est devenu en quelque sorte une mission, en tout cas un service que nous essayons de rendre à tout notre entourage. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et une bonne lecture de l'Antipresse. À bientôt.